Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième creuset. On enchaîne les creusets comme jamais, évidemment avec la suite de notre incroyable aventure sur Horizon. Il y a deux métal. Qui a construit cette... Nous sommes toujours accompagnés de nos deux zigotos. Différentes de celles que vous connaissez. Et j'espère que je vais être aidé pour le boss. Parce que vu qu'on est trois, ça devrait le faire, à moins qu'une cinématique nous sépare, ce qui m'énerverait beaucoup et particulièrement, n'est-ce pas? Quoi? Quoi? Il y a des machines ici. T'as déjà chauffé des gens là ou quoi? Je te suis, à l'œil. Oh, c'est moi qui les ai chauffés, bordel. Ok. Très bien. Bon. Ok. Parfait ça. Un mort. Un mort. Ouais, c'est quoi ça? C'est... Waouh, un fouet! Quelle est cette puissance obscure? Aidez-moi pas les gars, hein. Regardez-moi de là-haut, c'est très très bien. C'est incroyable, c'est par contre très stylé ce qu'il fait. Hein. Allez. Hop, et normalement... Mort. Bon. Très stylé mais ça dégage. Effectivement, c'est des nouvelles bêtes qu'on a là. C'est des bondisseurs mais je sais pas, ils ont l'air un peu... Pas comme les autres, vous voyez ce que je veux dire? C'est des bondisseurs bondis bien mieux. Ok. Bah tiens, on va faire ça quand même. Hein. On va se faire des petits plaisirs ici. Hein. Il y a une alerte comme s'il y avait un autre robot là. Putain, je t'ai vu. Bah non, les biches. C'est embêtant. Très bien. Moi, je vais pouvoir l'achever. Désolé, bichette. Bon. Bon. On a éliminé les machines. On va pouvoir continuer. J'aurais bien voulu trouver un petit atelier, je vais pas vous mytho. C'est là que naissent les machines. On dirait bien. Au milieu de la terre, on est facilement créés ici. Ils sont aussi entretenus. Et l'esprit cherche notre mur. Impossible de passer par là. Bon, deuxième pièce. Ça a l'air moins compliqué en termes de parcours parce que, étant donné que nous sommes accompagnés par deux Gugus, ça a l'air d'être un creuset simple. Je pense qu'historiquement, ça devrait être normalement le tout premier creuset, vu que c'est un creuset obligatoire. C'est comme... Ça devrait être un tuto creuset, tu vois ce que je veux dire? Cette chose dont je vous ai parlé, qui veut nous tuer, elle s'empare d'endroits comme celui-ci et crée des machines tueuses. Elle s'appelle Héphaïstos. Ces câbles bloquent le passage. Attendez ici. J'ai trouvé un autre accès. Ah, j'ai peut-être rien dit. Qu'est-ce que je viens de faire là? Ok. Alors, qu'est-ce que tu viens de faire? J'en sais rien. Ok, j'ai, je crois. Là, non? À quoi servent ces panneaux par terre? Attends, mon ref, tu poses trop de questions, frérot. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bordel. Je me suis chié dessus. Comment tu te sens? Cet endroit. Marcher sur ce côté pour les yeux de la terre. Aucun Outarou n'y est jamais entré. Ces piliers pivotent, mais il le fallait, pas vrai? Peut-être vous aider, toi et Aloy. Si je tire sur les rouages qui vous bloquent, je vais pas, je peux créer un passage. Roche.
Waouh, d'accord. Il était presque. D'accord, ok. Ça c'est nouveau, ça vient de sortir ça les bichettes hein. Ça n'a pas marché. Ouais, je dois être au bon endroit pour se mettre en place. Ah, d'accord. Bah, donc, ça va être comme ça. Voilà. Et donc là, faut attendre. Ok, j'ai compris. Faut juste entendre que le mécanisme s'enclenche. Très bien, on va passer par ici au calme. Bon. Quoi derrière le mur ? En tout cas, une autre plaque au sol. Mais d'ici, je peux pas tirer sur les rouages des piliers. Je peux peut-être trouver quelque chose pour appuyer dessus. Panneau brisé. Très bien. Très bien. Il y a forcément une plaque, quelque chose. Encore des piliers. On peut peut-être traverser si j'arrive à les placer comme il faut. Je sais jamais. Toi-même, tu sais. Je fais ce que je peux. N'énerve pas l'œil, on va trouver, t'inquiète. Oh, on va trouver, mais je suis plus si sûr que ça là. Pardon. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah vas-y hein Aloy hein. Non tu peux pas la sauter ça. Genre c'est trop haut Aloy. Pas et pourquoi on ne peut pas, je ne sais pas, mais ça m'embête. Putain, mais c'est terrible. Comment faire? Ok, ah d'accord. En fait, je dois rester là, mais je dois faire tomber un truc là-haut. Mais je suppose que pour faire tomber ce bras là. Ça met quoi ça, bouclier d'énergie toujours? Il y a forcément un bail, tu vois, non? J'aurais tiré là-dedans. Ouais, bah voilà, c'est ça. Non, il faut que je trouve un truc, mais là vraiment j'ai pas. Attendez, bougez pas. Cette caisse devrait être assez. Oh là 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 là, je m'énerve. C'est la caisse à travers le bouclier. Mais il faudra le contourner. Cette caisse ne passera pas par l'ouverture. Ok. La caisse passe, mais pas moi. Très bien. Bon, ça avance. Bon, me voilà un tout petit peu plus rassuré. En fait, je vais toujours chercher trop compliqué. C'est le même problème dans Daylight que ici. Hop, relâcher la caisse. On va pas en faire des caisses. Voilà. Les rouages des piliers devraient être exposés. On dirait qu'il y a que deux piliers cette fois. Parfait.
ne tombe pas à l'œil. Tais-toi, tu te tais, toi. Comment ça se passe en haut, à l'œil? Je crois que je me rapproche. Je comprends pourquoi je t'ai laissé dormir au début, hein. Il devrait y avoir une plaque au sol pour les activer. Parfait. Je suis littéralement une machine. Enfin, j'ai vraiment peur du boss. Hein. Est-ce que ça aurait dû être ce premier creuset normalement? Ah, peut-être pas, je pense pas. Hein. Je pense pas. En vrai, par chance, le jeu nous laisse le choix. Mais je pense qu'on va dire que c'est le creuset 1.5, voire peut-être le creuset 1 avec l'autre creuset. Hein, je ne sais pas. Je peux peut-être le pire. Tant de questions. Ok, on y va. Et là, comme par hasard, je vais être tout seul. Non. Les câbles bougent. Ils se rétractent. On peut grimper sur cette aération. Allez, venez les bichettes. Maniez-vous. Maniez votre boule. On avance. Ok. Oh la vache. Il y a des câbles autour de ce nœud, de l'autre côté. Je vais voir si je peux y accéder. J'attends ici. Ok. Très bien, j'ai vraiment cru qu'elle pouvait pas y aller. Voilà. Non. Parfait. Comment atteindre le nœud? Comme ça, bichette. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, on prend. C'est tout? C'était juste une petite cage comme ça, une cachounette. Un cachalot. Ok, bon bah c'est par ici la sortie. Très bien, et ensuite? Je suis censé aller en haut les gars, hein. Très bien. Parfait. Oh, les effets de lumière, tout ça, c'est... Bon. Oh, c'est dingo. On va voir ce qu'on... Allez, venez les bichettes. Venez, 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 je retire toute la mauvaise herbe et je vous fais un petit pont. Attention, petits oignons. Par là, vous deux. Allez, écoutez, maman, c'est moi qui règle. Mon principal a été G-Mark 1. Qui est-ce? Héphaïstos. Il a pris possession de cet endroit. Activation de la matrice. On dirait qu'il y a un autre nœud de l'autre côté. Près de cette porte. On te laisse t'en charger. Ah, je peux atteindre ce nœud de l'autre côté. Ça paraissait tellement évident. Alimentation. Ah, ça monte pas. Il y a une plateforme en bas. Je crois que je peux l'atteindre en plein. Très bien. De la production de 20%. Oh non! Ah non, c'est sous mon poids. J'ai cru que ça se baissait aléatoirement. Activation de la distribution additionnelle. G1Z1. Ok. Je peux peut-être grimper sur ces transporteurs. Oh bah, on va pas peut-être le faire, on va le faire. Hein. Transfert des paquets secondaires. Pour feu de stockage 5. Ces transporteurs déplacent beaucoup d'armes. Comment on va de l'autre côté, les gars? J'ai peur! C'est nous! Elle est en l'air! Ne lâche pas, Aloy! Non, je l'ai pas prévu! Ok. Je suis arrivé. Je dois descendre. D'accord. Parfait! Et maintenant? Je devrais pouvoir planer jusqu'à cette plateforme d'ici. Ah ouais, toi tu me dévoiles tout, toi.
Attends, faut aller juste dans la plateforme là-haut, là ? Ça va ralentir ma chute. C'est tout ? Ok. À chaque fois, je me dis, c'est trop simple. Ah, pop, pop, pop. Vous avez vu un peu ma souplesse ? À chaque fois, je me dis, putain, mais c'est... ça me paraît... Tu sais, ça peut pas être aussi simple, tu vois. Mais si, mais si ! Ok, go. Allez, venez les bichettes. Je pense que ce jeu est tellement dingue. Ok. Oh. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? C'est une intelligence artificielle méchante, bichette. Construire des machines mortelles. Oh putain, quand tu donnes, quand on donne de la boue explosive comme ça, ça sent pas bon, je vous le dis. Hein. Il faisait partie d'une entité bien vivante. Il s'appelle Gaïa. Ok, boss final. Boss final. On va voir si ce creuset était plus dur que le premier ou pas. On va voir qui méritait sa place de premier creuset. Mais là, je me sens aidé à 3. Ça me semble pas si difficile. Oh non. Que lui a fait Héphaïstos? Il l'a changé en arme. Une arme qui tôt ou tard sera libérée. Et puis, Mélopée. Si le peuple découvre ce qui s'est passé, si l'un de nos dieux lance l'attaque, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Parle. Tu es prêt ? Ah ah! Bon, ça va, y'aura qu'un boss. Allez, let's go! Ok. Bon, vous êtes prêts? Y'aura qu'un boss, et ça sera lui. Un pentacorne. Oui. Il devrait y avoir un nœud que je peux pirater pour le désactiver. Allez. La plateforme va descendre, ça va se réveiller en mode méchant. Pas mal. Pardon ? Alors je me charge de la grosse. Faiblesse, poison, très bien. Wouh ! Wouh ! Oh ça c'est bon ça. Oh ça c'est bon ça. Oh la vache ! Wow, wow, wow ! Ok, c'est bon ça. Wop. C'est bon. Quoi? Quoi? Ok, il change de pattern, impressionnant. Impressionne, petit. Toi, ça se voit que t'en veux, toi. Ok. Bien joué, petit. Ça se voit que t'en veux, toi. Wow, ton frère, qu'est-ce qui se passe? Oh! Voir. Oh, mais arrête! C'est trop droit! Oh. Allez. Oh, bah, 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 bah.
Adieu. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, ok. Oui, bah je sais que j'ai des trucs pas utilisés, attends. Bon. Allez, c'est pas mal. Non, ça s'arrête jamais. Il était vraiment plus facile. Ah, il était... Ouais, pour moi, il était aussi chaud que l'autre creuset, hein, pardon. Elle pleure une machine qui a failli nous tuer. C'est quand même son dieu. Ce n'est pas pour un dieu que je pleure, ni une machine. Mais parce que je ne sais plus en quoi je dois croire. Écoute, Zo, si tu veux, tu peux rentrer chez toi. Ai-je vraiment un chez-moi? Et si oui, jusqu'à quand? Peux-tu vraiment soigner nos terres? Sauver mon peuple? Petit à petit. Ce n'est que le début. Épisode quand même, hein. Ouais, alors attends, on se calme là, les loustiques, parce que tout ça, je... Hein, on prend, hein. Ça, on prend... Aloy, le noyau. Le focus qui indique des hologrammes. Attends, 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 on prend... Les gars, je veux bien être sympa. Je peux regarder un peu sur moi. Voilà, mais quand même, hein. Ok... What else? Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Là, regardez, des soins. Oh là là, ça nous régale! J'ai hâte d'avoir un établi là pour custom un petit peu, tu vois. Ça, on prend. Voilà. C'est bon, on a tout fait? On a l'air d'avoir tout fait. Allez, let's go! On se casse! Venez la famille! Allez! On va essayer de hack-out tout ça et normalement on va pouvoir dompter bien plus de bêtes. Let's go. On va savoir comment les réparer. Il y a des données de les laboureurs. Je n'ai pas encore scanné. Les fouisseurs. C'est tout? Est-ce qu'il te faut? Oui. Ne traînons pas alors. Ah, vous êtes des crevards là les gars. Ok, 2 points de compétence. Bon, c'est mieux que rien. Et il en reste encore des vagues là, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est incroyable.
Et d'ailleurs, ça vient d'où ça? C'est quoi ça? Je l'ai pas vu quand j'ai fait le tour. Et what? C'est bizarre. Bonjour, diplômé du verso 9. Bienvenue dans le centre de... Accès non autorisé, détecté. Ça sent pas bon du tout. C'était à l'esprit, Minerve? Je crois pas, non. Du moins, pas directement. Alerte. Tous les personnels doivent impérativement évacuer les lieux. Immédiatement. Quelque chose ne veut pas de nous ici. On va découvrir quoi, cet endroit chose en fait. Ça me plaît. T'as déjà vu quelque chose de ce genre? Non. Ça me plaît. C'est notre porte de sortie. Accès non autorisé détecté. Initialisation du verrouillage du site. Non. Qu'est-ce qui se passe? Bon, au moins l'éclairage d'urgence fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé? Minerve est ici, c'est sûr. Et je crois qu'elle essaie de nous repousser. Je vais aller fouiller, voir si je peux trouver un moyen d'entrer. T'es sûr que tu veux y aller seule? Ouais, Minerve peut se montrer dangereuse. Je vais m'assurer qu'on risque rien. D'accord. On reste là si tu as besoin de nous. Ouais, c'est pas fini donc? Oh, c'est tellement stylé. Tellement stylé. Ok, parfait. On y est bientôt. Restez en bas les bichettes, hein. Bon, ça sent le boss solo, ça, non? Bon. Je dois trouver où se cache Minerve. Il faut que je cherche un moyen d'accéder au système du site. Très bien. Ça me plaît tout ce qui se passe. Ça me plaît tout ce qui se passe. Accès interdit. Nous ne voulons pas de toi ici. Non, désolé. Tu te débarrasseras pas de moi si facilement, merde. Ok. Je peux pas passer par là. J'essaye de check, hein. On sait jamais. On dirait un mini labyrinthe un peu chelou, tu vois. Je pourrais peut-être ouvrir ça. Allez. Où ça nous mène? Je sens un courant d'air venant d'en haut. C'est peut-être une sortie. Voilà. Là, il y a forcément des petits trucs cool, là. C'était pour un petit trésor, ça fait plaisir, on aime les trésors par ici. Alors attends. C'est sans doute une autre partie du complexe. Ok, je peux pas ouvrir. Plus tard, c'est ça ? Possible d'ouvrir cette porte pour le moment. D'accord. Je devrais rebrousser chemin, voir ce que je trouve d'autre. Rebroussons. Rebroussons comme Bruce Wayne. Ça, je prends sa bichette. Ok. Donc, on va aller là-haut, alors. Ça ne peut être que là! Pardon? Où sommes-nous? Et me voilà dehors. Je dois retourner dans le bâtiment. Je pourrais peut-être chercher un accès plus haut dans la montagne. Je suis tout prêt. Si j'arrive à convaincre Minerve de coopérer, je pourrais la fusionner avec Gaia et la ramener. Vache! Et vous avez ensuite, vu ce qu'on on pourra commencer à éliminer la Niel, les tempêtes. Tu pourras peut-être m'aider à comprendre qui étaient ces étrangers dans le laboratoire. Pourquoi ils avaient un clone d'Elisabeth? Et pourquoi ils voulaient une copie de secours? Très bien. Ça en fait du boulot, hein.
devrait peut-être planer jusqu'à ce rebord. Ok. Eh ben, ouais, c'est un creuset assez complexe dans sa structuration, je veux dire. Okay. Allez, go. La vache, il y en a des choses à faire, dis donc. Certaines de ces pierres ne sont pas stables. Je devrais pouvoir les enlever. Ah, un autre conduit. Eh ben, voilà. Enfin, nous y revoilà, je dirais même. Ok, donc on va sûrement passer par la porte que j'ai ouverte au préalable. Maintenant, je dois trouver une console. Il n'y en a jamais trop, je te le dis. Et ça, on prend un lingot de bronze. On dirait une sorte de dôme. Je me demande à quoi il sert. Oh, pff, boss. Ok, dans ce creuset, il est infernal. Non ? Pas de boss ? Ok. J'ai besoin de la console. S'il te plaît. Accès refusé. Ça n'a pas toujours été comme ça. Tu n'as aucun souvenir ? Vraiment aucun ? Tu faisais partie de quelque chose de plus grand. De bénéfique. Gaïa. C'est ça. Elle peut renaître. Mais seulement si tu lui permets. Je ne peux pas la relancer sans toi. Ma vie cessera. Je crois que tu disparaîtras en elle. Tu feras partie d'elle. Comme c'était avant. La souffrance. C'est ça. Oui. Merci. Merci, Minerve. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction Minerve dans le code d'origine. Initier la matrice heuristique. Nous avons beaucoup à nous dire, mais l'initialisation de ma matrice heuristique ne sera pas terminée avant plusieurs minutes. En attendant, je te suggère de te familiariser avec ce bâtiment. C'est la meilleure base d'opération que nous pourrons trouver. Et tu peux utiliser son équipement pour améliorer ta capacité de piratage des machines. Oui, c'est une bonne idée. Dois-je autoriser l'accès à tes compagnons ? Ils ne vont pas tarder à arriver. D'accord, mais... vas-y doucement, d'accord ? Ils n'ont pas beaucoup d'expérience avec les choses... comme toi.
une blague cette fois. Non. Cette fois, c'est la vraie. Parle, Zoe. Voici Gaïa. Bonjour. Salut. Salut. Gaïa est en train de se réveiller. Allez, jetons un œil. Je vais afficher l'emplacement du labo sur ton focus. J'ai établi un réseau entre vos focus qui vous permettra de communiquer lorsque vous serez séparés. Bien. Et c'était quoi cet endroit ? Un centre de contrôle régional conçu pour que la progéniture d'Aube Zéro puisse superviser les opérations de terraformation locale. Je te suggère d'explorer ce site à l'œil. Jusqu'à ce que mon... Ok. Ah, donc on va encore découvrir des choses, c'est incroyable.